Wesh les frérots, c'est votre tonton Démonixion, j'espère que vous allez bien mes gros BG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo mes frérots. On est de retour les frérots, c'est Rout, joueur professionnel de Najim les mecs. On n'a pas abandonné la série les frérots, c'était juste en pause, c'était des vacances. Et là ça y est, on est de retour. On est de retour les refs et là on va arrêter de rigoler les mecs. On va arrêter de rigoler parce que là les refs, vous l'avez vu dans le titre. Najim. Ouais. Wow, c'est quoi ce corps de chamallow. Aujourd'hui on est en entraînement. Et cette saison les refs, ce qui est cool c'est que Najim maintenant il va devoir s'entraîner le mercredi et le vendredi. De base c'était lundi, mercredi et le samedi. Lundi les gars c'est impossible. Lundi voilà. Mais là du coup c'est passé mercredi, vendredi. Donc on va pouvoir avoir deux entraînements Najim. Doit faire Dijon, venir dans le village pour t'emmener au foot. Ça fait 45 minutes de route, j'en ai marre. Oh non, la marre. Donc aujourd'hui ça va être clair et net frère. Si je vois qu'il y a aucune progression, que t'es toujours aussi nul qu'avant. Par contre faut pas abuser. Que t'es toujours aussi nul qu'avant. Abuse. Je te prends pas la licence. Oh shit. Et t'arrêtes le foot cette année, c'est la fin. Ouais, et je rigole pas avec toi frère. J'ai pas encore payé la licence de Najim. J'ai fait exprès. Si je vois que Najim cette année, regarde là il y a deux entraînements. Je vais filmer l'entraînement de mercredi et vendredi. Comme ça t'as deux chances. Si je vois que les deux entraînements ils sont gays, ça comme ça tu me dis pas ouais non l'entraînement là j'étais pas bien. Il y en a deux. Mercredi vendredi je vais les filmer. Si je vois que t'es gays, le foot c'est fini. Oh, le foot c'est fini. T'iras faire du karaté. T'iras faire du ping pong. Hein? Quoi? Du nunchaku. T'arrêtes le foot et tu fais du nunchaku. Ok vas-y. Démonstration de nunchaku. Si t'arrêtes le foot, du coup ça va être la prochain sport que tu fais. Ouais. Ok, vas-y, c'est parti, démonstration nunchaku. 3, 2, 1, let's go, nunchaku, Najim, nunchaku. Ok, rapide, plus rapide. Pour l'instant c'est nul aussi, plus rapide. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok, nunchaku, ok. Ok, ta. T'es en train de faire tes trucs de majorette là, frère. Ok. T'as intérêt à être fort au foot parce que je te le dis, frère. Tu vas faire ni du nunchaku ni du foot, frère. Non. Va te changer. Aujourd'hui, on arrête de jouer, frère. Les gars, c'est parti. Aujourd'hui, on assiste à un entraînement de Najim. Et les gars, on arrête de rigoler. Si les gays, c'est la fin de route, toujours de professionnel. Et il ira faire du nunchaku. Najim, c'est à qui cette veste? Je sais pas. Cette veste là? Parce qu'en fait, maman... Non mais attends. En vrai, c'est à qui? Parce que tu sais que ce club là, EFV là, il joue contre ton équipe. C'est qui? Toi, ton équipe, c'est JCIF. Ouais. Et EFV, c'est une équipe adverse. Pourquoi t'as l'air veste? Non mais je te jure là, je rigole pas. En fait les gars, Najim est dans une équipe qui s'appelle JCIF. C'est les initiales, G-S-I-F. Et là, tu viens et t'as une veste, c'est écrit EFV. Donc pourquoi t'as l'air veste? Je crois que c'était Rémi qui était dans leur club. Hein. Mais n'importe quoi, Rémi là, t'es dans le même que toi. On a tous été dans le même. Non, c'est VFE. C'est pas VFE, c'est toi qui le vois de ce côté-là. Mais non frère, VFE c'est parce que tu vois à l'envers. EFV, c'est qui? Pourquoi t'as ça? EFV, tu dis EFV. Eh vas-y. Les gars, c'est parti. Allez, c'est bon, je me pose trop de questions dans cette vie, dans cette famille de fous là. Yalla, c'est parti mec. Man, t'es d'accord, mon poste c'est milieu. Je suis pas défenseur. Non, t'as jamais été milieu, t'as toujours été défenseur. T'as toujours joué défenseur depuis quand t'es milieu? Non, je suis milieu. Nadim, il y a 800 vidéos où que il te dit va en attaque, tu redescends en défense tout seul. Il a pas tort. Oui, parce que je savais pas jouer au foot. Et tu sais toujours pas jouer. Non, tu sais toujours pas jouer au foot, frère. À partir de maintenant, on va mettre de l'enjeu dans chaque match. Si Najim, déjà là, il continue de faire du foot, tu vas devoir réaliser ce qu'un abonné va mettre en commentaire. Bah, moi aussi, il va mettre. Imagine, il dit faut que tu mettes une roulette. Imagine, faut que tu mettes un sombrero. Tu mets un sombrero. En plus de ça, Najim, on va faire un truc. Parce que toi, tu fais des plateaux, c'est ça? Ça s'appelle des plateaux. Donc, il y a plusieurs matchs, il y a 4-5 matchs. Donc, on va compter le nombre de victoires et de défaites. Et à la fin de l'année, chaque victoire sera plus 100€ sur une grosse cagnotte. On fera gagner 200 abonnés. Imagine, tu fais 12 victoires. 12 000€. Donc ça fait 1 200€. Moitié, 600 pour toi et l'abonné. Vas-y, bref, allez, c'est parti. On va à l'entraînement. Nadine, faut qu'on parle d'un truc là. Quoi? Ta coupe de cheveux là. Frère, la couleur, elle s'enlève pas, hein. Simple. Non, c'est pas simple. Justement, ça pose problème, frère. Ça veut dire que tu vas avoir cette couleur toute ta vie. Renard dégueulasse, frère, toute ta vie, gros. Je suis content, je suis trop comme ça. Je suis roux. Non, t'es pas roux, t'es brun. Non, je suis roux. Bon, c'est parti les frérots, on va se mettre en mode observateur et on va voir ce que Najim a dans le ventre. On sait qu'il a beaucoup de choses, mais sur le terrain les gars, sur le terrain. Bon les gars, là ça va commencer par du jonglage dans le rond central. Alors, est-ce qu'il sait déjà jongler? Ok, non. Ah, il sait monter la balle. Il sait monter la balle sans prendre les mains, ça c'est pas mal ça. Les gars, leur entraîneur, il a dit qu'il fallait qu'ils en fassent 30. Alors, bon pied, objectif 30. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. 30. Les gars, Nadim, il est épuisé. Petit échauffement du genou. Les gars, je crois qu'il a même pas essayé le pied gauche. Attention. Ok, ok. Oh, double pied. Ok, ok. Ok, ok. Oui, pas mal, pas mal. En fait, les mecs, le souci, c'est que des fois, il fait des bons enchaînements. Et juste après, il va en faire deux. C'est pas constant. Là, il faut qu'il fasse pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pas mal ça, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. Alors les gars, là ils ont un prochain exercice. Donc ils lancent la balle. Il faut qu'ils fassent un rebond et prendre la balle après. Ils doivent prendre la balle juste après le premier rebond. Donc en gros, il faut juste laisser un tout petit rebond. Il y a un petit rebond et qu'ils prennent la balle. Lance la balle. Il va lancer encore plus haut lui. Le contrôle il est bon. Alors, il lance la balle. Mais vas-y, balance encore plus haut. Il a encore rien compris à l'exercice. Ouais, bah oui. Tu lances la balle, tu laisses un rebond et tu rates la balle. L'échauffement est terminé. Pour l'instant, il est gaze. Donc tac, tac, tac. Quand il y en a un qui va à droite, l'autre il va à gauche. Ok, ok. Avance, avance, avance. Il va à droite. Il fait une passe. Bon, pour l'instant, c'est simple, les mecs. Attention. Droite et tu fais une passe. Ok. Noni. Il a été du même côté. Ok, ok, ok. Crochet. Oh là là. C'était bien, c'était bien. Conduite, 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 extérieure. Oh là là. Pas mal. Quel joueur, quel joueur. Mais il se débrouille bien les mecs. Extérieur, il se débrouille bien. Pas mal. Bon, l'exercice est simple, ça va, il se débrouille bien quand même les mecs. Ok, donc maintenant c'est intérieur. Ils ont fait extérieur avant, maintenant ils font intérieur les mecs. Magnifique. Quel crochet de l'intérieur. Ok. Ok. Bien joué ça. Mec, normalement cette fois-ci ils vont faire mauvais pied. C'est ça que j'attendais, c'est le mauvais pied. On va voir Nadim extérieur mauvais pied ce que ça donne. Les mecs, le pied gauche. Le pied gauche. Oh le pied gros, le crochet il est ignoble. Attention. Il a raté la balle. Attention. Oh là là, quel crochet. Oh la passe. Bon les mecs, en vrai premier exercice ça va. Il s'est bien débrouillé, il s'est appliqué. Là ça va passer au deuxième exercice. Mouche. Ouais les gars, t'as dit quoi là? Ok, les mecs, il faut qu'ils fassent des pas chassés. Quelle vivacité. S'il tient comme ça, c'est qu'il est déjà cuit. Avec le petit ventre qui dépasse, il a vu le chien. Ça y est, le gars, il est plus concentré sur le match. Il a vu le chien. Les mecs, c'est une course maintenant. C'est une course, ça rigole plus. Attention les mecs, dernier passage Nadim. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Accélère Rush. Ok les mecs, donc là c'est juste une conduite de balle normale avec le ballon. C'est bien man. Magnifique. C'est parti, accélère, 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 accélère. Accélère. Plus vite Nadim, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, lève la tête, lève la tête. Oh là là là. Bien joué. Bon ça va les mecs, en vrai de vrai c'est bien débrouillé. Ça a été aussi, pour l'instant premier exercice ça va. Deuxième pareil, je m'attendais à bien pire. Ok les mecs là ils se sont tous réunis, ils vont passer au match. Les choses les plus sérieuses commencent. Le gars il est dégoûté, il voulait aller avec les milieux, il s'est avec les défenseurs. Man t'es d'accord, mon poste c'est milieu, je suis pas défenseur. Non c'est parti les mecs, eux du coup ils doivent défendre sur une cage. Deux cages, trois cages. C'est parti, Nadim défenseur. Nadim défenseur, il est monté milieu déjà. Ça fait super longtemps, je l'ai pas vu jouer les mecs. Ok Nadim. Bien joué. Encore. Encore. Il se déplace beaucoup mieux qu'avant les mecs en tout cas. Là il est pas perdu. Bon là il est pas trop avancé. Les mecs, ce qui est cool cette année, c'est que du coup là ils expliquent vraiment comment ça se passe. Vous vous rappelez avant, c'était n'importe quoi parce qu'ils étaient vraiment petits, ils comprenaient que dalle. Mais là du coup il y a vraiment une explication parce qu'ils peuvent retenir les informations. Bien joué. Belle défense mec. Voilà, regardez les mecs, là il explique beaucoup plus comparé aux autres années. Donc ils étaient vraiment petits en fait et c'était n'importe quoi. Voilà, et là il bloque. Magnifique. C'est beau à voir là. Et là du coup ce qui est bien les mecs, c'est qu'ils font vraiment l'entraînement focus sur la défense. Je suis pas défenseur. Non, c'est plus comme la dernière les mecs où ça jouait vraiment au hasard. Aïe aïe aïe, il a raté la balle. Eh ouais man.
Bien joué Nadim, il a bien suivi les mecs, vous avez vu ou pas? Il s'est bien décalé avec l'action. Là ça part en contre-attaque. Nadim, faut que tu suives. Voilà, bloque le côté. Ok. C'est bien Nadim. C'est pas mal, il comprend ce qui se passe sur le terrain, ça c'est énorme pour Nadim. Donc là les mecs c'est un stop ball. Ça veut dire il faut que l'attaquant il stoppe la balle dans le petit carré et le défenseur faut qu'il le sorte. Hop, regardez les mecs, il faut que stopper la balle au milieu. Et voilà, le défenseur faut qu'il la sorte. Oh, attention Nadim, oh, attention Nadim, faut qu'il stoppe la balle. Il a voulu la stopper direct. Allez Nadim, stop la balle, stop la balle. Il a stoppé la balle en dehors du carré, oh oui. Dommage, vas-y, vas-y. Dommage, il va de son côté. Du coup maintenant le défenseur il doit récupérer la balle pour aller marquer. Fais-nous rêver mec. Il faut y marquer contre son quoi. En fait maintenant les mecs il faut plus qu'ils se tapent la balle, il faut qu'ils traversent le carré. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, oh, oh. Oh, les essais techniques. Il a tout tenté, miskin. Allez, Nadim. Allez, Nadim. Ok. Il est passé en bulldozer, mais bon. Nadim défenseur, les mecs. Normalement, c'est son poste. Normalement, il n'y a personne qui passe. Nope. Bien joué, Nadim. Ça passe pas. Nadim, il a pas compris. Il faut que l'aille marquer en face après. Attention. Bien joué Nadim, elle est sortie. Oui Nadim, te jette pas. Oh là. En fait Nadim, s'il se fait prendre des vitesses, c'est fini. Bien joué. Nope. Bien joué ça. Pour l'instant, il a eu tous ses passages à part un. Là, il défend même plus dans le carré là. Là, s'il se fait prendre des vitesses, c'est fini. Il a mis toutes les balles en dehors du terrain, il n'a pas cadré une. Nope. Bien joué. Nope. Ça, les mecs, il est bouillant Nadim. Wow. Nope. Bien joué ça. Bien joué. Bien joué Nadim. Nope. 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 Bon les mecs, en vrai de vrai il s'est bien débrouillé en défense. En attaque ça va, il a pas été trop dégueulasse. Il a réussi à stopper quelques balles. Donc les gars, en vrai de vrai ça va, ça a été. Pour l'instant les gars, l'entraînement, je dirais allez un petit 7/10. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Là on l'attend, ils sont en train de parler ensemble à la fin. Ils sont en train de faire un espèce de débrief. Vous voyez les mecs, c'est plus du tout comme les autres années où c'était vraiment la merguez. En même temps ils ont grandi les mecs, ils ont l'âge de comprendre. Donc on l'attend les frérots et on fait le débrief avec lui. Comment il va le man? Bien man. Ça a été? Oui. Fatigué? J'ai mal au ventre. Ah pourquoi? Tu t'es trop chié dessus peut-être. Tu notes combien ton entraînement? 7. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. T'as été pas mal. Franchement, tu m'as bien surpris. Tu te sers la main? Très très bien joué Nadim. T'as suivi, tu comprends maintenant ce qui se passe sur le terrain, ça c'est énorme. Et t'as vu maintenant ils prennent le temps de t'expliquer. Ouais. Comparé à avant, tu te rappelles où c'était Bagdad. Ouais. Donc Nadim, ce qui va se passer, là on va revenir à la maison tranquillement, il va se passer quelques jours. Et ensuite, prochain entraînement, vendredi. Prochain entraînement, ne deviens pas gaze. Ouais. Tu peux te faire des entraînements en attendant le prochain entraînement. Tu vois ce que je veux dire ou bah tu te prépares, c'est bon? Allez man. C'est pro, je pue. What? Il y avait une crotte, j'ai shooté dedans. Ouais, c'est ça, non, c'est parce que juste tu transpires. Du coup, j'ai shooté. Non, c'est juste tu putes au cours, Nadim. Bah, regarde, il y a du caca. Non, c'est juste tu putes au cours, frère. T'as du caca sur la main. Ça du caca sur la main. The next day. Les man, je viens de rentrer de l'école. J'ai pris mon petit goûter, les man. Et là, qu'est-ce que je vais faire, les man? Je vais aller m'entraîner. Pas envie de faire du nuchacule pendant toute ma vie. Toi, c'est. Du coup, on va aller s'entraîner après. Comme ça, demain, les man, on sort après. J'ai regardé des exercices de super strikeuse. Les man, on va faire la même chose, ok, les man? J'ai pris le ballon lanceur automatique. Je vais mettre la balle dedans et du coup je devrais la contrôler. Allez, c'est parti les man. Faut que je cours vite pour que je cours comme ça que je peux la contrôler. Allez les man. J'en ai vu des choses. Attendez, je sais. On voit que j'en ai vu des choses. Bon les mecs, je suis pas assez rapide, je recommence. Ah. Aïe. Aïe. Je vais appeler ma mère, j'arrive pas tout seul, ok les man. Maman, mets la puissance max, je suis plus fort que Ronaldo en contrôle. C'est quoi ça? Allez, je suis trop fort en contrôle, les mains. Alors là, certainement pas. La tête, maman. Oh là, maman. Vas-y, je suis chaud. C'est trop fort.
Maman, mets la puissance max. Je suis plus fort que Ronaldo en contrôle. Aïe, moins fort, maman. Je m'en fous. Holman, premier exercice, 10 sur 10. Comment? Prochain, Holman. Faire des retournées. Ça va me motiver pour le prochain entraînement. Ça. Et en même temps, je devrais faire une retournée là-bas. Comme ça va augmenter ma précision. Retournée, ok, Holman? Salut, mon. J'y étais presque, hein. Les histoires. Aïe, j'ai des courbatures. Oh, j'ai mal. Ah, on va un peu continuer, les man. Les man, je pense qu'on va arrêter pour cet entraînement. Je pense que je me suis bien amélioré. Tous mes entraînements 10 sur 10. Comment ? Pour s'informer, je vais regarder un épisode des Super Strikers. Les man, je suis prêt pour demain. Je vais pas faire de nunchaku. The next day. Bon, les frérots, comment vous allez, les mecs? On est là, Nadjim, pour le deuxième entraînement. Est-ce que tu t'es bien entraîné pendant que je t'ai laissé là le temps? Ouais. Tu t'es bien entraîné, t'es sûr? Ouais. Donc là, les frérots, on va partir pour le deuxième entraînement de la semaine, vendredi. On en a fait un mercredi. J'ai mis ça parce que Ronaldo, il a le même collier que moi, du coup, ça va me porter bonheur. Du coup, je vais avoir son même niveau. C'est quoi ça? C'est un collier. Collier? De Temu. De Temu? De Temu. Et Ronaldo, il a le même? Ouais. Et quand il le met, ça lui porte chance. Ouais. Donc si tu le mets, tu vas marquer des buts là. Ouais. Oh là là, ok, vas-y, tu le prends. Tu vas aller mettre ta tenue. Et du coup, entraînement de vendredi. Et là, c'est le dernier, ok. Soit tu fais un bon entraînement et tu continues, je t'achète ta licence. Par contre, si là tu fais un mauvais entraînement et que c'est même pire que la première fois, c'est fini, Nadjim, c'est la fin. Tu vas faire du nunchaku. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Go. Mec. Les cernes, ils me collent. Allez, Nadjim, t'es prêt ou pas? Les frérots, on vient d'arriver au stade, les mecs. C'est maintenant ou jamais, Nadjim. Tu sais ça ou pas? C'est maintenant ou jamais. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es chaud, le man? C'est parti. Échauffe-toi un petit coup, vite fait. Échauffe-toi un petit coup, mon gars. Chauffe. Yes. Yes. Ok. Ok, ça c'est quoi là? Tu viens de te chauffer quoi là? Le poignet. Ok. T'as mon fesse. Ok, t'as mon fesse, vas-y. Montée de genoux. Ok, après. Vas-y, le coude. Tu fais quadriceps. Triceps. Tu me fais les pecs, la nuque, et t'es prêt. C'est parti. Là, ils vont avoir un numéro. Dès que son numéro il sort, il faut que là, il tire au but. Donc là, les mecs, ça va être vivacité, réaction et cerveau. Tout ce qu'il a pas. T'as compris? Oh, les jongles de la tête, ils sont catastrophiques. Numéro 1. Ok. Trop lent, Nadjim. Trop lent, mais il marque. Numéro 1. Oh, oui, Nadjim. Oh là là, il a abusé. Mais il était vif, pour une fois, il a compris. En vrai, de vrai, leurs entraînements, ils sont pas mal. Allez, Nadjim, jongle. Jongle, bordel. Numéro 1. Le gars, il a tout whipping. Oh, Nadjim. Il a de la chance, le gardien était pas dans la cage. Mon premier exercice, ça passe, les mecs. Ça passe, ça va. Regardez, les mecs, ils ont foutu le bordel le tour de terrain. Regardez, Nadjim, le gros cochon, là, il est déjà épuisé. Là, ça rigole plus. Toujours, il se met derrière parce qu'il comprend pas les règles. Qui faisait cette technique? Dites la vérité dans les commentaires, là. Un qui attaque, un qui défend, les mecs. Les mecs, vous avez compris l'exercice? Ça, c'est un bon exercice, ça, ça me plaît, ça. Regardez Nadjim, les gars, il est prêt. Il est prêt, il est chaud. Oh, les gars, c'est parti. Nadjim, Nadjim. Oh, oh, le crochet. Ok, accélère. Accélère. Il a fait un croche-patte, le chien. Grosse faute du joueur français, parce qu'il court pas assez vite. Deuxième passage du joueur tunisien, italien, français. Oh là là, il arrive trop vite, là, il se prend un crochet, c'est fini. Ok, ok. Oh, le bourrin. Oh, le bourrin. Mais quel boss. Passage. Troisième passage. Troisième passage. Ok. Ok. Bon, les gars. Oh. Oh. Oh, joueur professionnel. Oh. Dommage. Il était pas trop mal. Du coup, il a commencé défenseur. Là, ils vont inverser. Il va commencer attaquant. Ça va être à lui de commencer avec la balle. Attention, les mecs. C'est Nadjim qui commence avec la balle. Ronaldinho. Ronaldinho. Oh. Oh, le crochet. Oh. Dommage, pied gauche. Tire, tire. Bien joué, Nadjim. C'est bien joué, Nadjim. Bien battu. Nadjim, il s'est bien débrouillé, je trouve. Je crois que là, les mecs, ça traîne un exercice de rapidité. Donc là, c'est simple, les mecs. Au top, il faut que vous ayez touché la main. Est-ce que Nadjim est rapide? Est-ce que le collet de tiers, c'est qu'il va servir? Oh, Nadjim, il a une remorque aux fesses, les mecs. Hein. Oh là là. C'est Nadjim qui gagne, mais les gars, il a une remorque. Il a un problème d'explosivité, les mecs. Non, il a du mal à démarrer. Déjà, il a un poids de 40 kg dans les fesses. La même chose, mais plus loin. On va voir sur une longue distance. Moi, je pense qu'il est meilleur en longue distance à cause de son explosivité ou qu'il a ses grosses fesses pour démarrer.
Oh, le démarrage et après il rattrape, c'est ça? Voilà, exactement. Le démarrage il est dur, mais après il prend de la vitesse. Donc là les mecs, faut qu'ils courent, ils font le tour de la balle, ça revient au plot, ça accélère et ça touche la main. Oh là là, une chance sur deux, il tombe au niveau de la balle. Wow. Ok. Ok, boum. Oh, c'était dur. Hein. Ok, démarrage assis. Oh le bordel. Oh. Oh là 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 là. Un entraînement les frérots, ça rentre. Mec, ça va ou quoi man? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet entraînement? Bien, en vrai, va, je mets 7,5. Oh ouais, j'aurais mis 7 aussi comme le premier en vrai. Ouais. Je t'ai bien débrouillé. Let's go. Je vais te prendre la licence. Let's go. Tu feras pas du nune chacu. Let's go. Ok. On va vite dans la voiture parce qu'il fait moins 40 degrés, c'est bon? Allez man, on se rend dans la voiture. Allez. Les frérots, on arrive à la fin de l'entraînement. T'as assuré. On est d'accord les mecs pour que Nadim continue la série road toujours professionnel. Ouais. Tu feras pas du nune chacu. Prochain match. Là les frérots, dans cette vidéo là, dans les commentaires, un truc que Nadim devra réaliser dans son prochain match. Pas de tour du monde, tu vas pas faire un tour du monde en plein milieu du terrain. Peut-être un geste technique. Je sais pas, un double contact, tu devras poser un passement de jambe, un truc comme ça, mais pas un truc les gars, jongle du terrain, c'est pas possible. Il faut que ça fasse avancer en gros le jeu. Ok, pas il se stoppe, tu fais une retournée, non. Et Nadim, si t'arrives à réaliser ça, 10 balles. On va compter tes victoires et défaites. À la fin de l'année, chaque victoire 100 balles, chaque défaite moins 100 balles. On fera moitié, moitié toi avec un abonné. Non. Si, si frère, tirage au sort sur Instagram. Les frérots, exposez-moi les pouces bleus, abonnez-vous, c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous mes BG et road tout joueur professionnel man. Nadim pas d'une chacune. Eh ouais.